Bonjour à toutes et à tous, ici Samarius des Richter et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment TDOS un site web. Avec Sloloris. Alors, je tiens à préciser directement, Sloloris ne fonctionne seulement que sur les machines virtuelles Batrack 5. Et la version actuelle de ma machine virtuelle, c'est Batrack 5 R2, donc disponible sur les forums batrack5.fr. Donc, tout d'abord, ouvrez Firefox Browser sur votre machine virtuelle. Allez, dans l'onglet HTTP, tapez Sloloris. Sloloris, prenez le premier lien. Et là, vous avez une page qui s'affiche sur comment est Sloloris, blablabla, en anglais. Donc, ici, c'est tous les serveurs web affectables par Sloloris. Et tout ce qui est marqué, c'est marqué Unconfirmed, Unconfirmed. C'est-à-dire, c'est pas, ils ne le savent pas, c'est pas vérifié. Donc ici, c'est les sites qui ne peuvent pas être affectés par Sloloris. Donc maintenant, on va tout. Oh, mignon. Oh. Donc maintenant, on va sur Download. Et à côté, vous avez Sloloris.pl. Vous cliquez dessus. Puis ici, vous avez une ligne de texte de, je sais pas combien de codes, sous Perl, bien sûr. Donc, vous faites CTRL A et vous faites clic droit, copier. Ensuite, vous fermez le machine web et vous faites Create New Text Files. Et à la place de Text Files, vous mettez Sloloris.pl. PL parce que c'est Perl. Donc, c'est codé sous Perl. Donc, ensuite, vous cliquez dessus et vous faites Paste, ce qui veut dire coller. Donc voilà, maintenant il y a des jolies couleurs qui vont apparaître là. Et ben voilà, toutes les lignes de code. Et non. Et blablabla. Donc, ça y est. Donc, un autre fichier s'est apparu pour moi, mais pour vous, je ne pense pas. Donc maintenant, on va ouvrir un terminal et on va le rendre exécutable. Donc dans mon cas, il s'appelle Terminator, donc ouvrir un terminal. Hein. Et donc, on va indiquer le chemin d'accès où il se trouve. Donc, vous tapez CD, espace, barre oblique, route, non, barre oblique, desktop. Voilà, et on tape chmod. Oui, chmod, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Chmod plus x sloloris.pl.perl.pl. Maintenant, il est exécutable. Maintenant, pour voir s'il fonctionne, vous relancez un terminal et vous indiquez le chemin d'accès. Mais pour aller plus rapide, vous pouvez utiliser les flèches de haut et du bas pour comme raccourci, si on veut. Là, par exemple, je fais là, j'ai chmod, c'est la commande que j'ai utilisée tout à l'heure, la commande que j'ai utilisée avant, et blablabla. Ici, pour faire un petit raccourci, et on va faire perl doc sloloris.pl. C'est les documentations de Sloloris. Donc, title, comment il s'appelle Sloloris, la version 0.7 bêta, date, rationalkaker.org. Bref, Sloloris est désigné. Ah, il y a quelque chose d'intéressant. C'était ici, les sites que peut affecter Sloloris. Apache, Apache 2.0, Go-Ahead Web Server, Other, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut en affecter d'autres? Not affected, blablabla, other, c'est-à-dire il peut en affecter, il peut pas affecter d'autres serveurs. Après, c'est toute une documentation. Donc maintenant, pardon. Donc maintenant, on va voir comment faire crasher le site web. Donc, crasher, Terminator, on tape perl, sloloris.pl. DNS, je vais tout simplement pour vous montrer www, dans mon cas ça sera lycée Faber, le lycée Faber de Metz bien sûr. DNS, www.lycéefaber.fr, moins Timut, moins HTTP Ready, moins HTTP Ready, ah, moins HTTP Ready, et faites entrer, bien sûr, j'ai oublié d'entrer. C'est de route.dextop, c'est pour ça que cela ne fonctionne pas. Il faut indiquer le chemin où se trouve Sloloris. Donc,
Timut, time out, one, un, espace, moins Timut, un, moins s'acheter, pépé ready, moins s'acheter tes pépé, ah, moins s'acheter tes pépé ready, je vous le mettrai en commentaire lors du montage, et faites entrer, oh là là, pinceau, plus rapide, voilà. Donc, ça peut mettre un peu de temps, tout cela dépend du serveur, de votre connexion, du serveur, de votre connexion. Dans mon cas, normalement, il devrait pas mettre longtemps puisque c'est pas, voilà, quoi, j'ai une bonne connexion. Et tout cela dépend, ça peut mettre jusqu'à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Pour affecter le site web, des fois, ça n'affecte peu, ça ne l'affecte pas, donc normalement, ça ne fiche rien. Personnellement. Et j'ai fait crasher une vingtaine de sites web et quasiment 30 dont j'ai pas réussi, bien sûr, histoire de test. Donc, quand ça marche pas, vous voyez au bout de. Vraiment, si ça marche pas, vous voyez. Parce que je sais pas comment. Donc, ça met un peu de temps. On va laisser, je vous parler un peu de ma vie. On n'a rien à foutre, bien sûr. Donc, oui, je vais vous montrer comment changer le fond d'écran sur Backtrack 5. Je pense que vous le savez, mais il y en a qui ne le savent pas. Donc, Folder View Settings. Ici, vous avez plein de bidules machin. Vous choisissez. Oh, tiens, je vais prendre l'orange, je vais changer. Et je vais faire OK. Il se change. Une belle couleur orange qui nique absolument les yeux. Enfin, bref. Donc, je parle un peu de ma chaîne, donc je vais faire cette vidéo parce que, histoire de relancer ma chaîne, et certes, il y a beaucoup de tutos sur Slowloris, mais comme c'était sous Backtrack 5R2 et qui est légèrement différent par rapport à Backtrack 5R1, je vous montrerai faire un petit tuto sur Slowloris, histoire de. Voilà quoi, s'il y en a qui en avaient marre d'écouter des vieux tutos qui fonctionnaient pas, je suis à votre disposition. Faites-moi part de vos idées pour d'autres tutoriels. J'avais prévu de faire un tutoriel sur AlterVista, comment créer un compte AlterVista et comment créer une database et comment créer aussi un nom de domaine si on veut pour ensuite placer dessus comme les iStealer, les virus que vous connaissez sans doute. Donc voilà, tout ça dans un prochain tuto. Donc je vais faire un petit ellipse et je vous dis à tout de suite. Donc l'attaque, comme vous le voyez bien, a réussi. Donc là ça va assez vite. Hein. Donc pour l'instant ça dépend. Donc s'il a réussi son attaque, c'est-à-dire qu'il a réussi à affecter le site web. Donc 4950 paquets de socks à fly. This really no slapping familiar for enfin bref, donc ça a bien réussi l'attaque. Donc là ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, quel bruit assourdissant. Donc normalement il y a quelques petites coupures comme ça, mais au bout de quelques moments ça devrait arrêter. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ça. Je vais voir. Oui, donc ça devra continuer. Ça devra continuer. Pour le plaisir de nous tous. Enfin bref. Donc normalement. C'est pas la première fois, c'est normal, ça dépend peut-être comme ma connexion. Ah bah voilà. Ça reprend, ça fait des coups par coups, c'est bizarre, c'est bizarre. Ah bah voilà, ça prend, ça recommence, ça prend, ça repart pour une nouvelle aventure. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, oui.
Abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, double like. Et proposez-moi des idées de tuto, donc j'en ai plein en réserve, des idées de tuto, le SMS spoofing, dont je vous n'ai pas parlé, et comme je vous en ai parlé, le créer un compte avec AltarVista et son nom de domaine. Donc salut à tous les gamers et je vous souhaite une agréable journée, agréable nuit, et bon hack, salut à tous.